C'est un bot ça ou pas? Est-ce que c'est un bot? Je peux... Non, c'est pas un bot. Flamiche neutre, c'est pas du bot. Putain, mais jouer full rest pour jouer Musamune, quoi. Limite, même si c'est de la merde à ce level, j'aurais préféré qu'il joue Rett. Côté santé mentale, je savais qu'il y avait une logique en fait. Mais là, jouer full res pour sortir un cac Musamune et une optimisation avec des flamiches neutres, je sais que c'est au minimum la tutelle. Il est trop chaud le Feka, c'est un monstre. T'as mal orthographié le mot merde. Alors. Le duel sort complètement cheat, le symbole de l'infirmité. Grâce à lui, les Yorgan, même s'ils sont des abrutis, tes duels et pour toi c'est déjà fini. Putain, il a trêve. Il a trêve. Tac, tac. Putain, mais il a trêve, quoi. Solo 25, jajaja. Est-ce que je meurs? Vita 2 tours. Qu'est-ce que c'est long? Après, il joue vite, hein. Allez, dégage, connard. C'est ouf. Vous êtes chelou, il joue super bien, il tape bien, bon placement et du tank pour contrer. Mais c'est vrai que faire une barricade à un tour de la coco, il a particulièrement bien joué, ouais. Après, il y a vraiment des joueurs, je pense que Arceau il troll, mais il y a vraiment des joueurs qui pensent que le mec a équipé un casque Drax et... Oh putain, oh. Oh, il est trop bien stuffé. Oh, il a un bon stuff, ça y est. Ça y est, ça va être foutu pour moi. Ok, Naze. Kill T3 ou pas?
Ouais, je sais pas. Ouais, ça c'est relou. Parce qu'en fait, il a 31% raise. Rip, les casques drag, 12% hold, 200 000 AGV. Avoir un 12, c'est cringe quand même. Mais c'est low cost. Tu t'en sors. Alors, Upper 110, meilleur élément sans toi, c'est Terre. Terre, trop fort. Ouais, donc ça me poussait. Oh, il est trop fort. Il a anticipé l'appel qui pousse. Tac. Oh, mais quel monstre, le Yop-Ho, s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a pas assez de joueurs qui jouent Yop-Ho? Tu préfères les coups de Pelwa ou Emelaka? Xa. Au niveau du feeling? Au niveau du toucher? Bah, c'est compliqué ta question. Je pense, je dirais quand même Pel Emelaka. Parce que la Pel Xa, elle va être jouée sur des Sadi niveau 200. Alors que la Pel Emelaka, il n'y a qu'au niveau 189 sur le Yop où tu as vraiment une plus-value. Donc je vais quand même dire Pel Emelaka. Pitié en Kama, c'est pas les 180, fait les 200 en 3 secondes, c'est plus possible, ouais. Ouais, ça serait banger. Alors, on va juste. Juste faire ça à distance. On va pas lui donner de TF. Il nous reste 3300 HP. Il a 25% raise. S'il est plutôt sage, je peux le tuer. Le pendule. Je suis tellement devenu un main Xeller maintenant, c'est ouf. Alors, il y a quelques modifs pour le Xel désormais. Mais les main Xel sont pas contents. Ils disent que ça casualise la classe. Moi, j'avoue, je me suis pas trop penché sur les modifs. Ah ouais, calme. C'est bon, je le tue. Comment ça, tu le tues? Bah, regardez le coup de pelle. En Kama, la prévision, elle s'envole là. Vous avez vu le coup de pelle? 1200, hein. 1250. No photoshopping. Ouah, mais le Yop. Oh, s'il vous plaît. 1250 sur un joueur qui a 25% raise. Sachant que j'ai pas bon, j'ai pas forcé. J'ai pas proc de Vulbis ou quoi. Applaudissements pour le Yop. L'un des persos les plus satisfaisants à jouer en farm. Et pourtant si peu représenté. Ça part pour qui ça? Ah putain. Très bien. Contre un Zobal. Conrez? Ok, ça commence à faire. Je suis deg, j'ai mis un mode Noini pour qu'il ait l'initiative sur moi et que je me tape pas des raises au T3, mais non. Il avait encore moins d'ini. Comme quoi, t'as beau être un génie, des fois tu te fais quand même avoir. Alors, tac.
Ouais, l'épée divine au milieu du tour, c'est cringe. Et là, il va plastronner. Est-ce que je peux tuer? Il s'écarte. Concentration. Waouh, waouh, waouh! Le coup de poulache à moins 2000. Ok. Hop, la tempête de puissance. Oh, truc de ouf! Je peux jouer terre, je peux jouer eau, je peux jouer poulache. C'est quoi la suite? Un mode feu? Un mode air? Il faut que je joue air, j'ai pas encore joué air. Et ça clignote, hein. Le Yop, je vous l'ai dit, c'est comme l'Eotrope, hein. Tu ne loupes aucune vague. À chaque fois, t'es dans la clignotance. Oui, c'est ça, j'ai reconnu un petit peu le skin de Trotid sur l'Upermage. Pour ça, j'ai bugué. Nelox, tiens donc. Et après, Joel va dire acteur payé, machin. J'ai oublié mon stuff à la banque. Oh, qu'il est cringe. Contre un sacré, il faut pas jouer initiative, c'est souvent des cases du boy. Bon là, dans n'importe quel mode, ça aurait été galère. Peut-être avec le mode coco, en vrai. Mais je kiffe pas le mode coco, c'est trop duel coco. Trois modes de Fragilos, ouais. Par contre, c'est longtemps que je n'ai pas joué le mode Eutel, juste. Eutel 4 PA. Alors, tac. Ah ! Ah, putain. Dommage. 600 HP. Quel rox de ouf. Sur un sacri 24% res, mais c'est surtout le cocut là. Pourquoi j'ai mis un cocut? Enfin, pourquoi j'ai pas mis cocut, j'ai mis un chat par hippopète. Fury, Fury, il me tue pas. Hein. Il me tue pas, mais est-ce que je le tue? Ouais, je pense. Oh, le Zénith à 1005. C'est vraiment la Aztec. La Aztec apporte un charisme au personnage incroyable. Attends, si je fais ça, il lui reste 600... Ouais, si, je le tue, en fait. Ouais, je le tue large. C'est vrai que j'avais 10 PA. Oh, waouh, waouh, waouh. J'ai commencé à mettre des duels, c'est bon. C'est le minigun. Ouais. Donc ça, c'est un Xelekash. Je pense, hein. Le tout est un peu cringe. Ouais, le tour un peu cringe, c'est un 5-Zel. Oui. Oh non, putain. On en est là, quoi. Alors, tac, tac, tac.
Azep, coup de cac. Très bien. Bouquet temporel. Ouais, mais là, je suis un diop. Pas pour me la péter, hein. Mais là, c'était deux sorts. Bah, je pensais qu'il allait complice et TP out. Un peu bizarre. Un peu chelou, ouais. Un peu chelou. Il faudrait que je fasse la friction dans ces cas-là. Allez, Jota. Donc, Jota, 3800 HP. Le mur est posé. Il n'y a pas eu de debuff. Il aurait pu avoir un debuff de la vertu, en vrai. En plus, ça m'aurait debuff mes sorts de boost. J'aurais été mal. Ouais, ouais, Jota. Oh, putain. Abusé. Oblite à moins 2000. Est-ce que ça me tue avec l'explosion? Oh! Oh, c'est incroyable. Cette méta est incroyable. Bien joué. Bien joué, Jota. Ok, bah c'est bon. Les quatre modes principaux, c'est eau, terre, bien sûr. Poulage, désormais. Et Aztec, je pense. C'est pas intéressant pour moi d'investir rapidement dans le mode Coco, parce que le mode Coco, c'est contre des adversaires où tu as faible de balle.